Une exposition hors du commun à la bibliothèque Raoul Mill à Nice. Au total, 26 œuvres réalisées par un groupe de déficients visuels. Un travail surprenant orchestré par Cathy, une artiste peintre lyonnaise à l'origine de cette aventure artistique. Quand ils arrivent, les élèves ont leur tableau dans la tête. Ils m'indiquent les couleurs qu'ils veulent utiliser. Ils savent déjà les couleurs parce qu'ils ont eu la vue avant de devenir malvoyants. Donc ils ont la connaissance, la mémoire des couleurs. Et ils projettent la peinture. On leur a aménagé une pièce où la peinture peut voler un petit peu dans tous les sens. Et c'est de la peinture projetée. Après, ils la retravaillent avec certains avec les doigts, d'autres avec des éponges, on fait du collage, voilà. Mais au départ, c'est de la peinture ou projetée ou soufflée. C'est une très bonne thérapie. Ça vous montre l'état d'esprit de la personne par rapport aux couleurs qu'ils utilisent, les formes qu'ils font. Et c'est un très bon moyen pour s'exprimer, pour décharger sa colère, sa mélancolie ou... Voilà. L'art comme échappatoire ou comme moyen d'expression. Pour les 5 artistes, la réalisation de l'exposition baptisée « Au-delà du regard » a été une réelle thérapie. C'est une manière d'exprimer. J'étais assez désespérée de perdre la vue. Je me sentais diminuée parce que j'ai quand même fait des illustrations de livres d'enfants. J'ai fait beaucoup de décorations. J'ai fait beaucoup de choses. Et ma vie, c'est la création. Et là, je me sentais nulle et inutile. Et là, j'ai repris goût à beaucoup de choses grâce à la peinture. Sur votre gauche, un tableau de Cathy Garcéran intitulé « Le clown au regard féminin ». Autour de cette exposition, un objectif, rendre la culture accessible à tous. Par le biais d'une application audio téléchargeable gratuitement sur smartphone, les visiteurs de tout profil peuvent se promener dans les espaces d'exposition, guidés par une description audio et ou visuelle. C'est une exposition qui me paraît donner la preuve que la culture est accessible à tous, quand on est artiste et même lorsque l'on est déficient visuel, et accessible à tous lorsqu'on est public, puisque, en l'occurrence ici, dans une bibliothèque, dans un lieu qui est extrêmement fréquenté par le public, juste au-dessus d'un marché, eh bien, par exemple, des déficients visuels peuvent aussi avoir accès à la culture par le biais d'audiospots que nous avons ici dans les lieux. C'est véritablement pour moi, cette exposition, la preuve que la culture est et doit être, par définition, accessible à tous.